fight. Salut à tous, ici Maxus59. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur le Portugal. Donc, allons gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Donc, je vais vous montrer ma petite équipe. Donc, déjà au gardien, c'est Rui Patricio, je pense. Hein, là, il n'y a pas d'hésitation possible. Défense centrale, bah, Pepe. Bon, Pepe qu'on verra peut-être pas parce qu'il s'est pris un carton rouge. Et Bruno Alves aussi, c'est les deux meilleurs du jeu, je pense. Défenseur droit, João Pereira, 86 en vitesse, 76 en défense, 77 en passe, autant dire que bah, il est plutôt pas mal. À gauche, notre ami Fabio Quintrao qui s'est blessé et qui ne jouera pas. Je pense qu'il fait forfait pour la Coupe du Monde. Il est tout là dans mon club, donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. En MDC, Miguel Veloso et William Carvalho. J'aurais bien voulu mettre Meireles, tout ça, mais je les ai pas. Et puis j'ai pas de Moutinho, donc bon, bah on fera sans. MC, Ruben, Amorim, bon. C'est pas ce qu'il y a de mieux. À droite, Vieirinha. Bon, j'aurais bien voulu avoir Nani. Mais pareil, je l'ai pas eu dans les packs. En buteur, Elder Postiga. Puis en ailier gauche, Bruma. Hein. J'aurais bien voulu avoir Ronaldo, mais je l'ai pas. Ah, quoique. Échanger. Bah merde. Je suis un fail. Bah merde, je suis con, je l'ai mis sur le banc. Donc il n'y aura pas de suspense. Ceux qui ont regardé le banc sauront que j'ai déjà Ronaldo en fait. C'était pour faire la petite fin. Donc Ronaldo que j'ai eu dans un pack. Voilà quoi. Donc on va partir. On va partir avec cette équipe du Portugal qui a quand même pris cher contre l'Espagne. Bon, on se retrouve pour le premier match. Bon, donc on a trouvé quelqu'un, donc là le Brésil vient de faire match nul. Enfin, on a trouvé quelqu'un, c'est ce que je pensais, mais il n'y a personne en fait. Donc, le Brésil vient de faire match nul contre le Mexique avec un énorme Guillermo Ochoa qui devrait sortir man of the match. Donc nous tombons contre l'Allemagne. Donc j'ai bien mis les maillots du Portugal, hein. Que ce soit le maillot à domicile ou à l'extérieur parce que ça va plus avec la série. Nous tombons donc contre une équipe avec une note générale de 81. Et alors, oula, c'est pas mal, une belle petite Amérique du Sud avec Thiago Silva, Dani Alves. Ça doit être Guarín, le milieu central là, gauche, je sais jamais lequel c'est le brésilien. Hulk, puis surtout Sanchez up, man of the match, donc il va faire mal. Je sais que j'ai vu sur des vidéos, il y en a qui l'ont utilisé, il a envoyé le bousin, donc bon. On va voir, nous on a Rui Patricio qui doit faire le taf. Donc là c'est un 4-3-3 avec deux MDC, donc je joue jamais avec cette formation là, donc on va essayer, on va voir si notre Hugo Almeida va réussir à finir les actions ou pas, puis on a Ronaldo qui peut aussi aider. Oula. Premier but tout de suite. Oh là là. C'était chaud, très très chaud. Ronaldo qui montre déjà d'entrée qu'il est bien là, que c'était lui le patron. Ouais, bien joué, bien bloqué, mon gars. Ouais, bien joué. Allez, Ronaldo. Attention, il faut que le bousin. Allez, faut centrer. Ouais, le ballon qui arrive dans la surface. Vieirinha, Fabio Quintrao. Ouais, bah, Quintrao qui est là pour mettre la tête. On l'attendait pas forcément. Mais il est là, le tintin. Il est là. Thiago Silva qui comprend pas. Non. Je sais pas comment il est en tête Quintrao, mais c'est vraiment chanceux. C'est vraiment très. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, c'est parti. Ballon repoussé par le gardien. Il pouvait pas la capter, notre ami Rui. Ah, bien joué. Bien joué, c'était chaud. Ce sera donc un corner. C'est compliqué. Et puis là, on va essayer de pas se prendre le but et ça pue le but. Putain, je mérite de le prendre. Je l'ai senti tout de suite que c'était une belle occasion. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué, ça c'est bon ça. C'est Ronaldo ça. Ouais, ok, nul à chier. Voilà, c'était mauvais, c'est quoi ce centre? Je pensais que tu pouvais au moins la mettre sur un tête d'un gars, soit Ronaldo, soit l'autre, mais pas entre les deux, et là on va se prendre le contre.
avec Marc Gonzalez. On va tenter le tac. Ouais, bon, bah, il m'allume. C'est bien joué. Donc au niveau des stats, bon, au niveau des tirs c'est équilibré, bon après possession il a plus su que moi, donc le score est mérité je pense. À part tout, c'est bien. Putain d'ailleurs la félicité, est-ce qu'il ne tente pas des cas ici, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont encore un peu d'honneur dans ce FIFA. Donc il n'y a pas besoin de jouer sa vie, je veux dire c'est qu'un jeu, on perd c'est tout, ça fait toujours rager mais bon. Casey, je trouve ça vraiment moche, je ne le dirai jamais assez. Ouf, la grosse frappe. Je passe à côté. Bien joué. Oh, Ronaldo, bats-toi. Dommage, ah, c'était vraiment bien joué là. Oh, c'est mieux à chier. Bien centré, je t'en foutrais des beaux centres, toi. Et c'est Gilbert Montagné qui commente ou comment ça se passe? Alors, le centre était moisi de chez moisi, mais c'est pas grave. Lui il est content, il a l'impression de compter un beau match, tout va bien. C'est génial. Oh putain, Ronaldo, sois décisif là! Il nous fait le match comme contre l'Allemagne où il a manqué dans le dernier geste. Gardien solide quand même. Bon. Match nul un partout, allez, c'est mérité. J'aurais peut-être pu arracher le 2-1 avec Ronaldo, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Bon, il y a eu de la possession, mais j'ai eu plus de tirs. Ça. C'est sûr. Bon, ensuite, voilà quoi, après. Ça reste un match, tout est possible. Voilà, ça a l'occasion d'entrer, la petite petit poteau, là, c'est pas de chance. Bon, on a gagné un pack, on est content. Homme du match, Rui Patricio. Bah, c'est vrai qu'il a fait des arrêts, quand même. Hein. Ah ouais, non, bon, bah, c'est bon. Score mérité, rien à dire. Rien à dire pour une fois. Bon, allez, on se retrouve pour le deuxième match. Bon, donc on se retrouve pour le deuxième match. Seul changement notable, c'est le buteur. J'ai voulu tenter Nelson Oliveira au lieu de Hugo Almeida pour voir ce que ça donne. Donc voilà, comme je disais. Qu'est-ce qu'il a ? Il a plus de vitesse un petit peu. Tir, il a un peu moins. Il a beaucoup moins en tête, mais bon. C'est le groupe de la mort ou... Bon, allez, je me mets en blanc. On va changer de maillot. Donc lui, il est dernier, il s'est pris une défaite déjà. Oula! Oula, oula, oula! La grosse équipe. Très grosse équipe, bah quasi parfaite. Hein. Dire derrière, c'est solide avec Modric, Schweinsteiger, la défense Buffon. Ils ont tous des styles. Ça va être chaud. On va essayer de jouer le coup. Bonjour et bienvenue à tous, nous avons rendez-vous avec un match de coupe, installez-vous confortablement. Celui qui a du jeu, ça devait être bon, il va tenter une KSI, non? Oh, il y a faute là! Bah évidemment monsieur! Allez, on va tirer un petit coup franc avec Cricri. On va voir ce que ça donne. Oh, c'était pas si mal, mais bon, vu que je sais pas tirer les coups francs, ça peut expliquer pourquoi je rate, on va pas se mentir. Ça, quand j'ai dit que les gars ont 4, je peux comprendre, mais là. Sa vitesse de pointe et son exceptionnelle conduite de balle font le reste. Ruben Amorim. Ouais, c'est bien vu ça. On va tenter la frappe croisée et bim, but. Ça vient toujours pas de Ronaldo, les buts. Allez, on va faire le signe. Nelson Oliveira. Ah, il est passé en profondeur, hop. Le défenseur là à droite qui merde un peu, les autres ils arrivent pas et bim, la grosse frappe du pied gauche. Voilà, c'est mérité. Il va tenter une. Dommage, dommage. Il veut pas, vendredi, nous. Oh non! Putain de merde, c'est pas mérité, c'est mon défenseur qui fait de la merde. Il y a pas besoin, t'as vu le but une fois, au pire, bah, tu. Comme tout le monde, hein. T'attends la fin du match, tu regardes le ralenti, tu l'enregistres et puis c'est tout. Hein. Oh Ronaldo! Putain, il est jamais là! Ronaldo, faut que tu sois plus décisif que ça. Bon, on a le double de tir, on mérite peut-être un petit but en plus, mais bon.
c'est comme ça. Alors, il va faire des changements. Falcao. Ça veut dire qu'il ne me satisfait pas des masses. Ah, il a sorti Van Persie. Ben. Faut pas se faire faute là-dessus. Bonne récupération, milieu de terrain. Oula, il a cru. Quoi ? Oh, cette grosse blague. Ouais, grosse blague. Franchement, pas compris. Quel exploit sur cette frappe. Le pied d'appui. Puis elle arrive, milieu de terrain, bim, il balance une frappe, Patricio. Sur cette interception, c'est impeccable. Ballon pour Rooney. Allez les gars. Mais non ! Putain ! Mais non, pas lui, genre d'Apostiga. Allez Ronaldo. Attention la frappe ! Voilà, c'est vraiment une but anecdotique. Pour marquer, il faut qu'il n'y ait plus de gardien devant le but en fait, c'est ça. Bon allez, on va essayer de l'égaliser, mais ça va être compliqué. Hein. De toute façon, il va faire tourner. Hein. Il va tenter sa KC, ça fait perdre du temps dans tous les cas. Putain, Ronaldo! Bah voilà, mais merde! Putain, Ronaldo qui arrive pas à passer ce gars alors que Ronaldo est ballon d'or, je le rappelle encore. Putain, chier. Pas mérité, on va voir au niveau des occasions que j'ai largement dominé. Bon, allez, je suis désolé de rager, mais il me lance un but venu de nulle part. Et puis là, putain, voilà 559 crédits en perdant. Donc, généralement, c'est pour dire ouais, homme du match bouffonne. Bah, voilà, c'est la magie FIFA. Tu fais 17 tirs, 11 cadrés, lui 10 tirs, 8 cadrés, bah t'arrives à perdre. Tu arrives à perdre. Bon bah allez, on se retrouve pour le troisième match en espérant qu'on le gagne. Salut à tous, ici Maxud59. Alors on se retrouve pour le troisième match de en route vers la Coupe du Monde, le Portugal. Ou rendez-vous en terre inconnue, le Portugal. Hein, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, je sais pas comment je vais la rappeler finalement comme série. Parce que bon, on tourne sur deux FUT World Cup. Donc comme vous voyez, j'ai pas trop eu le temps de jouer en ce moment. J'ai fait quelques packs opening, donc vous aurez les vidéos bientôt. Ou peut-être même avant cette vidéo, je sais pas dans quelle heure je vais faire. Bon, j'étais pas mal occupé ces derniers jours, donc voilà. Je vais voir ce que je vais faire concernant cette série. Voir si je vous montre juste peut-être les buts que je me suis pris et que j'ai marqué les matchs d'avant. Puis montrer celui-là en entier, puisque... on a peut-être moyen de se qualifier, je sais pas. Enfin, je pense que ça va être un peu juste, hein, avec un nul et une défaite, je pense que c'est compliqué, il faut au moins deux victoires. Ah bah bon, on va voir, donc... seul changement notable dans la composition, c'est Moutinho que j'ai eu dans un pack. Sinon après c'est pareil, bon j'aurais bien voulu avoir Valencia, mais pas Valencia du tout, Nani en fait. Mais je l'ai toujours pas, et en buteur, bon on va laisser Nelson Oliveira, je pense. Ou on remet Hugo Almeida. Bon, on va essayer Nelson Oliveira, Elder Postiga plutôt. Allez, on va mettre Elder. Ouais, on a toujours Ronaldo qui est là. Toujours. Donc, bah, pour l'instant, 4 matchs et une passe décisive, donc c'est pas terrible. Donc voilà, on se retrouve pour le troisième match. Donc, nous tombons contre l'Argentine. Ok. Donc, déjà, petit point sur la Coupe du Monde. Donc, on connaît déjà les deux premiers huitièmes de finale. Donc, on aura un Brésil... Oula, j'ai analysé son équipe, c'est pas mal, ah bah il y a Nani que j'aimerais bien avoir. Donc on va avoir un petit Brésil-Chili qui va être sympathique, franchement, moi je serais les Brésiliens, je me méfierais quand même. Et puis un petit Pays-Bas-Mexique aussi, rencontre, je pense qu'on voyait pas forcément le Mexique sortir. Et bon bah ils ont réussi à le faire, donc bien joué à eux, bien joué à eux. Oh, la belle frappe. Ah voilà, Ronaldo, bim, qui va peut-être tenter de nous qualifier pour cette phase finale de Coupe du Monde. Grosse sacoche, bah faut tenter de toute façon avec lui en vista. Bon, c'est vraiment chanceux encore. C'est chanceux, bon.
2-0. Est-ce que ça nous permet de nous qualifier? On sait toujours pas. Frappe de Ronaldo que le gardien arrête, mais ça suffit pas. Bon, domination. C'est mérité, le 2-0 est mérité. Alors qu'il a exactement les mêmes stats. Ah, celui-là il est beau, hein. Enchaînement de dribble. Qu'est-ce qu'on va faire comme célébration? Allez, l'autruche, dédicace à Lucas. Lucas du 6-2. Ah, enchaînement de dribble. C'est beau qu'il y a une petite frappe enroulée qui passe. Hop, on débrief, évidemment, il n'y avait personne, mais bon, hein. C'est beau quand même. Ça fait dans le groupe, bon. Je sais pas. Ah non. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Oula. Penalty, bon. Je suis désolé, mec. Je sais pas où est leur penalty de merde. Ouais, bon, il fait un Falcon Kick. Lol. Bon, Ronaldo pour le triplé, peut-être. Je sais pas où il tire d'habitude, Ronaldo. Ah non, pas de triplé. Bien joué, bel arrêt, c'était pas mérité mon penalty. Entre temps, j'ai eu un message sur mon téléphone, c'est génial. Moi, Arcel. Lol. Ronaldo, oh, c'est vraiment un but de merde. Ah merde, désolé, je voulais pas faire calma, non, désolé, sorry, no calma. Célébration de base de Ronaldo, je tiens à le préciser. Pas trop compris, il arrive, il balance une grosse frappe comme ça, en pivot. Ronaldo impliqué sur les 4 buts de l'équipe, il aurait pu en marquer 5. Alors est-ce que ça va suffire pour nous qualifier? Là est la question. Okay. Alors dites-moi qu'on se qualifie, dites-le moi. Qualification, ouais, bah voilà, c'est bon ça. Putain, pour une fois, Ronaldo homme du match, bah ouais, 3 buts. Une demi-passe décisive qui est pas comptée, mais... 845 crédits, on va voir les stats, mais c'est largement mérité. Deux fois plus de tirs, il aurait peut-être mérité d'en mettre un quand même. Félicitations à l'adversaire qui a été très fair-play jusqu'au bout, je tiens encore à le repréciser. Donc voilà, donc on va se retrouver la prochaine fois pour un match en complet, sachant que là je vais faire encore des montages. Donc on finit deuxième du groupe à 4 points. L'Allemagne finit première, l'Espagne aussi. Bah heureusement que l'Espagne a perdu, parce que sinon ça aurait été chaud. Donc voilà, on va ouvrir le petit pack de fin de vidéo, parce que j'ai deux packs à ouvrir. Une boutique n'est pas accessible, il me casse les couilles avec ça. Savoir lui dire aussi quand FIFA ça va, mais quand ça va pas, bah ça va pas souvent beaucoup. Ça va pas souvent. Bon, j'y arrivé. Ça va pas beaucoup souvent. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, on va ouvrir un joueur de la Coupe du Monde et puis ensuite on ouvrira le pack que j'ai eu dans mon pack opening d'hier soir. Alors, nous tombons sur. Attention. Jefferson que j'ai déjà. Bon, c'est pas mal. Mais je l'ai déjà, donc aucun intérêt de le garder puisque. Je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, parce que quand on a Julio César, généralement on prend Julio César. Hein. Et maintenant, le pack où on peut avoir du lourd. Allez, un petit Messi là, comme ça on fait l'Argentine, ou Neymar on fait le Brésil. On tombe sur contre-joueur. Ok, donc là le pack est encore plus pourri. Ah, un stylo. Sinon j'ai quoi? Bah allez, j'ai du joueur sud-américain qui cartonne en ce moment. Ça j'ai gardé. Peut toujours servir, les formes ça doit se vendre, j'allais les lister finalement. Non. On verra bien, puis ça se vend pas, bah. Qu'est-ce qui me fait chier? Bon bah, il veut pas, c'est pas grave. On va faire ça. Bon bah allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc bah peut-être les 8e de finale. Portez-vous bien et like and sub.